Botswana, Afrique. La végétation abondante des berges du fleuve Tchobé attire une foule d'herbivores, parmi lesquels les plus agressifs du monde, les hippopotames. Les hippopotames mangent des plantes. Ils ne chassent pas d'autres animaux. Alors les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont dangereux. Ils possèdent les plus grosses dents de tout le règne animal terrestre. Leurs canines inférieures font plus de 45 cm de long et leur force de morsure atteint 141 kg au centimètre carré. C'est mortel. C'est un jour comme un autre pour les prestataires de safari photo dont les clients espèrent saisir le cliché parfait. Mais aujourd'hui, ces touristes risquent d'en avoir un peu trop pour leur argent. Regarde-le. Le groupe voit une masse plongée sous l'eau du côté tribord du bateau. À en juger par sa taille, c'est un énorme spécimen. Et il n'est pas juste en train de faire trempette. Il se dirige droit sur le bateau rempli de touristes et il approche à toute vitesse. Tout le monde sait que les crocodiles nagent très vite. L'eau est leur élément. Mais les hippopotames sont très rapides, eux aussi. Ils peuvent atteindre 23 km à l'heure et ils sont très territoriaux. On en a même vu renverser des bateaux de touristes. Le skipper met les gaz à fond, mais le géant africain continue de gagner du terrain. Soudain, la bête bondit vers le bateau. 4 tonnes de muscles sont sur le point de s'écraser sur l'embarcation. Mais le champion poids lourd n'est pas assez rapide. Il passe juste à côté. Le guide et les touristes affolés quittent les lieux à la hâte, sains et saufs. Finalement, les photographes rapporteront l'image saisissante d'une rencontre qui aurait pu très mal tourner, ainsi qu'une importante leçon de sécurité. Quand vous pénétrez en territoire étranger, gardez vos distances et prévoyez une stratégie de sortie rapide.